Les pêcheurs et les chasseurs ont une rivière, un étang ou un territoire favori. C'est souvent celui de leur début. Le quitter, c'est un peu comme quitter quelqu'un de très proche. Pour René Fallet, c'est la Besbre dans le Bourbonnais. Mais je pense qu'il pêchait assez fort, au moins du 50 centièmes. Et au bout d'un moment, ils ont eu la fameuse bête du Batiguillotou. C'est une région qui a inspiré la majeure partie de son œuvre. Son épouse et ses copains témoignent de son attachement viscéral à la Besbre. Bientôt, exclusivement sur Seasons.